Et bonjour, internotatrice et internotateur. Ici Gal pour les jeux du signe avec Éternel. Coucou. Éternel qui avance doucement mais sûrement vers. Bah donc toi t'es quand même pas mal ralenti à cause de Tretch quoi. Et il me ralentit sérieusement. Si, C'est du coup clair. tu tournes en rond dans les montagnes des ogres au lieu d'avancer. Donc... Voilà, je suis presque en confédération de nouveau avec Morse qui a moins de 10. Bon. Et puis, ah oui, j'ai quand même petit détail. J'ai le roi troll qui m'a déclaré la guerre. Et les gens extatiques qui ont mis fin au Qui a mis fin PNA, au PN avec moi. ça va peut-être pas tarder non plus. Là, j'ai du monde. Krakadrak, il va falloir que ça tienne. Hein. Ça va être... Krakadrak. Ouais, c'est mon... Mon settlement honor. Je vais peut-être bien remonter trotte maintenant que... J'ai fait Ah le oui, c'est celle que ménage. t'as pris là-haut. Ouais. Ah oui. Ah oui, parce que t'es directement voisin en fait. Alors, lui, il la régène, lui fera des allers-retours. En même temps, oui. Et... Tout coup de construire la baraque du clan, peut-être construire une garnison. Je vais le faire, mais ce sera. Je pouvais pas. Je sais pas si je pouvais avant niveau 3, pas sûr. Plutôt, je vais me mettre là et je te mettrai. Voilà. T'as une armée full dedans. Bon, il est moitié esclave, mais... Oui, j'ai de quoi engluer du monde, mais ça dépend ce qui me présente en face. Alors, on n'a pas encore affronté du Nord. Je peux pas recruter des héros encore. Hop. Donc, j'ai déplacé Trot, je vais le ramener là-bas. Alors, Snitch. Eh ben, Snitch, il va aller défoncer Tretch. Oh, mon Strigoi est sur un dragon zombie. Ah non, sur un Terrorgeist. Je Alors, savais même pas que ça pouvait monter ce machin. je vais pouvoir utiliser une action pour, je crois que je peux donner le contrôle d'une armée Skaven rivale. Je peux choper une de ces armées en fait. Ça pourrait être pas mal. Alors, est-ce que je prends celui qui m'assiège. Bon, je vais faire avec toi. Est-ce que je fais avec celui qui m'assiège? Peut-être quand même. Ah, peut-être le coup. Sinon. Lui, est-ce que j'ai moyen de me le faire? Parce que là, j'ai recruté. Ah, j'ai quand même une armée nettement meilleure. Rajouter un assassin dedans. Lui, je vais me le faire. À la mano. Ouais, là, clairement, il n'aura pas ses chances. Ah, j'ai tué trop. Hop. Victoire à la Pyrrhus, perte élevée. T'es sérieux là? T'es sérieux? Avec quelle armée? N'importe quoi. C'est comme il a un autre seigneur légendaire? Non, non. Ah ouais, si. Ah ouais. C'était lui que je pouvais intercepter D'accord. dans l'entre-deux-tours. Sachant que c'est que de l'esclave qu'il a. Que de l'esclave, Oh, mais tu pètes la tronche 10 fois. Hein. juste n'importe quoi. Bah, c'est ses mortiers, je pense. C'est ses mortiers à ta sphère, peut-être le problème avec. Vu que t'as que de la troupasse. T'as combien d'invoques? J'en ai 6, mais lui aussi, c'est toujours pareil. Hein. Quand j'en ai beaucoup, ça veut dire que lui aussi en a beaucoup. Ah bon? Eh ben oui. Bah, c'est une question de nourriture dépensée, non? Non, c'est une question Ah, c'est plus le de. cas maintenant? Ah, si, en fait, la nourriture te permet d'en rajouter.
Ah, d'accord. Le nombre Ah, de mais t'en as bases, 6 de base. Ah oui, sans en rajouter. le nombre de bases en fait dépend de la corruption scavenne. D'accord, mais je croyais que c'était parce que tu dépensais de la nourriture à chaque fois que t'en avais Non, un. non. D'accord. Alors, c'est toujours pareil, t'as pas grand-chose pour gérer sa ratasphère, mais... Oh, mais là, il en a qu'une. Mais le reste, tu le plies, quoi. J'ai deux assassins. Deux Ils sont lords. assassins, j'ai plein de. Deux assassins, un chef. J'ai du fufu pour aller s'occuper Des mortiers, ouais. des mortiers. Puis de l'invoque au pire pour les occuper. Plus des invoques. C'est toi qui attaques là ou c'est lui? C'est moi qui attaque. Ah oui, c'est toujours pareil, il va pas bouger. Et une autre carte, bien vallonnée aussi. Ouais, c'était une victoire à la Pyrrhus, mais avec plein de pertes. Oui, voilà, mais je pense qu'il y a moyen d'éviter le plein de pertes. Oula oui, c'est bien Valonie, c'est clair. Ah, c'est les montagnes. Hop. Non, je vais te filer tous les fufus. Même les frondeurs? Même les frondeurs, en fait. Bah, si tu veux, mes frondeurs à moi, ils vont pas servir à grand-chose parce qu'il a de la vermine de choc avec épée bouclier. Je suis pas sûr que les frondeurs servent à grand-chose. Moi, je vais Ah, il me... est niveau 18 son lord, Ouais, quand même. il a un lord qui peut être un peu costaud. Avec potion de soin Ah merde, ça c'est pas bien. et amulette d'opale. Ouais, il va être chiant lui. Il n'a pas la régénération, ceci étant celui-là. Ok. Bien, bien, bien. Mais Ah, pas mais du non, tout, si c'est pas j'ai un grand bois, mais c'est chez lui. grave. Hop. Et puis je vais gérer les invoques. Je vais me mettre sur les hauteurs. Je vais me mettre sur les hauteurs et puis je l'attaquerai par là. Go. Oh tiens, il a mis un mortier sur le côté. Quelle drôle d'idée. Ah mais voilà, je savais bien que j'avais une raison de me placer de ce côté-là. C'est good. C'est bon. Alors, hop. Hop. Je vais tout de suite mettre une unité sur ces mortiers à gauche, enfin au côté est. Oui. Au sud. Il y a la rata aussi. Ah oui, ça, qui va charger dans le dos. Adieu. Non, il y a eu un rocher. S'il y avait un rocher devant, je suis sûr que ça les a gênés. Ouais, bon. Pas longtemps, Pas mais. longtemps. Juggernaut, son boss. C'est pas un monstrueux? Ah non, c'est juste une infanterie. Je vais choper son mortier avec les tireurs, avec les Sa frondeurs. ratasphère va te venir dessus, hein, sûrement. De quoi? Non, non, pour l'instant je suis pas détecté. Ah si, putain, j'ai le lord qui est détecté, merde. J'ai ton lord qui est détecté. Merde, le problème c'est que du coup il n'y a pas que sa ratasphère qui va tomber dessus. Non, mais je charge de mon côté. Ok. Le truc c'est qu'elle me charge dessus dans les bois, elle sera quand même beaucoup moins efficace, donc. Hop. On voit tout le monde. C'est parti. Non mais t'es pas obligé de foncer. Non. Ah mais il peut tirer ton. Ah mais c'est pour ça. Ah oui. J'avais pas fait gaffe. C'est parce qu'il s'est fait détecter parce qu'il a tiré. Et j'ai pas l'habitude d'avoir des maîtres assassins qui tirent moi en fait. Oh très bien, il a utilisé son debuff de zone. Hop. En plein centre. Ouais. Pourquoi ils nous viennent tous dessus?
le reste c'est quand même beaucoup de l'esclave. C'est bien, c'est moi qui prends tous ces tirs là, donc il tire dans la forêt, c'est bien. J'ai reculé ton lord quand même. Ouais. Qui est pas trop là pour ça. Oui, d'accord, c'est moi qui suis en train de tout éponger quoi. J'arrive, mais. Non, le truc c'est comme il est dans la forêt, c'est bien, il est en train de se perdre dans la forêt. Je me suis fait intercepter par une unité de vermine des chocs. De vermine de choc. Il y a elle seule bloque 4 unités quoi. Ah merde, il a de la magie. Ah putain. Allez, on y retourne et essayer de me choper son lord cette fois-ci. Saloperie de ratasphère, bordel. Non, il a un mortier qui est en train de claquer, t'as ton chef sur son deuxième, donc ça devrait le faire. Bon, est-ce que vous pourriez... Oh, le joli tir en cloche, là. Est-ce que vous pourriez... Putain, une vermine de choc qui m'a tout coincé, quoi. C'est du rang 3 contre du rang 1, quoi. Tirez-moi sur tout ça là, sur ces esclaves, ils devraient pas être en train de... T'as besoin de soutien quelque part ou pas? Oh non, moi ça se gère. Ça se gère. Il a un mortier qui a fui et pas très 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 bas en vie. Là, je vais repositionner mes frondeurs pour qu'ils puissent asmater tout ce qui passe à portée, vu que c'est quand même quasi-essentiellement d'esclaves. Et son lord se fait gérer tranquillement. Il a beau être Juggernaut. Mortier, c'est bon. Ouais, je suis content. Les guerriers se rassemblent. Putain. Hallucinant, quoi. Ratasphère et la ligne de choc. Ah oui, je sais pas que j'ai la ratasphère. Elle se balade chez moi. Elle moissonne les... Elle moissonne ? Bah, je vais mettre les tirs dessus. Ouais, je veux bien. Je vais mettre les frondeurs dessus. Je sais pas s'ils lui font grand chose, mais. Ah, si, parce qu'ils sont perce armure. Ça pourrait être pas mal. Voilà, ça va, mine de choc fuit. Enfin. Ouais, non, en fait, je lui fais pas grand chose à ce moment-là. Bah. Aïe, il a de la magie en plus, ce con. Ah non, c'est une capacité d'armée. Ah, il m'a fait mal. Ouais, et là, les ratasphères chargent les frondeurs. Elles ont chargé les frondeurs, ok. J'avais prévu. Ouais, son pose. Ah si, ça y est, il commence à prendre un peu là. Ah oui, il commence en effet à prendre assez cher. T'as des couronnes. C'est bon, c'est vermine de choc qu'on lâchait. Ouais. Et il continue à invoquer. Ouais, il m'en reste une. C'est bon, son lord est en train de crever. Comme il est niveau 18, je vais essayer de le tuer lui. Ouais. Ce serait bien. Mais c'est un légendaire, donc à mon avis, il va... Ah oui, merde, oui. Il pourra revenir. Yes.
Il peut tirer en mouvement ou pas ton lord? Ah oui, il peut tirer en mouvement. Ah oui, c'est bon, il est mort. Nickel. Ça devrait le piquer un peu au moral. Allez, foncez-moi sur ces esclaves là. Énorme quoi. Bon, c'était ma dernière unité invoquée. Non, en fait le problème c'est que il faut arrêter de bouger face à la face au ratasphère parce que. Oui, mais ouais, j'avais pas vu que tu l'as invoqué, sinon effectivement j'aurais attendu que tu l'englues avant de me dégager en fait. Autant, je me rapproche de tes lanciers pour. Ouais. Ah mais il y a des Stormvermine, eh ben, tuons les Stormvermine. Oh, je perds des unités moi. Oh merde, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon, c'est Stormvermine, ça se gère aussi. Ah c'est ça qui lui manque à Snitch, une attaque à distance. Ouais. Je sais pas pourquoi il en a pas alors que les. Ça c'est un. Bah, en fait c'est parce un. Parce qu'il est déjà complètement pété en termes de dégâts, donc. Non mais bon, c'est un chef assassin. Oui. C'est un normal, général mais... assassin en fait. Oui c'est ça, c'est un général, mais le général il peut tirer mais pas Snitch. Ouais. Bon bah c'est un test faire 225, 22 000 de dégâts, 21 500. Eh bah oui. Sans déconner. Saloperie quoi. Bon, terminé. De toute façon, il était en train de fuir. Donc, je ne perds personne. Oh, oui, c'est bien. C'est 20 000 de choc, 230 aussi. Et 24 000 de dégâts. Saloperie, quoi. Ah, il y a un mortier qui a réussi à s'enfuir. Non, mais je te dis, il était en train de fuir, puisqu'il avait, il avait reculé devant ma, sur ma première attaque. Ah, donc il est mort. Donc il est mort. Ah bon, j'ai ça. Bon, moins une armée. Ouais, t'as des guerriers des clans à 133. Hein. Eh ouais. Ouais, ils ont dû tomber sur du frondeur esclave. Du frondeur esclave. Ça. Ça compte presque pas. Ou de l'invoque. Ou de l'invoque. Ben, même niveau, hein, les coureurs d'égout, c'est bien quand même. Oui, je vois ça. Il ne leur manque que le filet et le poison pour être parfait. Bah, c'est le niveau 1, puis niveau 2. Enfin, le niveau 2, puis niveau 3. Bien, 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 bien. Je vais tomber sur Grèce, sur. Ouais, donne-moi des sous. Hop. Ça, c'est fait. Oh putain, par contre, j'ai du mal à gérer ma bouffe. J'ai vraiment du mal à gérer ma bouffe. Alors, j'ai des sous. 8 tours pour revenir d'une blessure. Putain, c'est long. C'est long. Bon. Donc, il n'y a plus d'orques dans ce coin. Ça aime bien qu'on les finisse en fait, qu'il arrête de me poursuivre l'autre héros à la chignon. Et bah, direction Zubar. Hein. Mm-hmm. Et...
Victoire à la Pyrrhus, pas de perte. Bon, on fera même pas le combat de la vengeance Contre contre Rictis. Tretch. Contre Ah, Tretch. contre 13, à ras-le-bol. Hein. Il est déjà pilé 4 fois, ça suffit. Me saoule. Hop. Bim. C'est trop chiant, l'Escaven. Ah, C'est pardon. clair. Inadmissible. Hop, vitesse plus 10% armée du seigneur. Ah, c'est bien Oh ça. là là! Et c'est Snitch qui l'a eu? Oh là là! Ouais! Ah ouais, tout bénef. Ah, ça va être bien ça. Là, ils me rattraperont plus jamais. À moins de venir avec des unités volantes. Fini. Bon. Et là, si je t'attaque, défaite valeureuse. De toute façon, s'il m'a pas attaqué au prochain tour, il est mort. Et s'il m'a attaqué au prochain tour, il est mort quand même. Faisons dans la demi-mesure. Du coup, je vais passer au. Et là, je vais recruter encore un. Deux fondeurs. Et. Deux fondeurs de plus. Non, un fondeur. Je suis que niveau 33 en fait avec Snitch. Toi, tu disais que t'arrivais à Pas niveau. mal. Bah, tu disais que t'arrivais à niveau 30. Oui, je suis niveau 28 avec Hellman. Bah donc là, je commence à enchaîner un peu les combats. J'ai eu quand même une grosse période où je faisais pas grand-chose, où j'ai passé mon temps quand même à faire des allers-retours depuis chez toi jusqu'à chez moi. Donc j'ai perdu un peu de temps. Toi, tu t'es jamais vraiment arrêté, donc. Les problèmes des Là maintenant, ça réglages. devrait réaccélérer un petit peu. Le problème, c'est que je vais mettre 3 ans à passer avec Hellman, en fait. Je pense qu'avec Hellman, j'ai pas me fait. Je vais aller finir de nettoyer les nains. Plutôt que de remonter. Sinon, ils vont recommencer à me repop dans le dos, donc. Alors, toi. Il me fera pas un assaut direct sur Prague. Ça m'étonnerait. Mais je vais quand même pas le risquer. Là, comme ça, s'il en vient, il en sera mort. T'es complet. C'est que j'ai perdu en force à ce point-là, moi. Je suis passé de deuxième à quatrième, alors j'ai rien perdu. J'ai C'est fait les que autres qui gagner. sont devenus plus forts. Je ne fais que gagner des. J'ai gagné 2 à 3 provinces depuis tout à l'heure et j'ai perdu en renforce, quand même, le concept. Trotte, c'est déjà déplacé. Là, c'est toi qui es repassé devant, d'accord. J'ai un petit peu recruté. Un petit peu. Mais non, en même temps, je suis bête, j'avais dit que je la récupérais cette armée. Et l'ordre doré est repassé devant aussi. Hop. Pour commencer. Je vais récupérer cette armée. Je vais faire. Ah non, ou alors sinon, je lui prends une ville. Prise du repère 3 contre une colonie scaven.
Ça peut être aussi un concept. Je peux lui choper la forteresse noire là. Un truc rang 5. Je peux le choper comme ça. C'est pas possible. C'est pas du possible. C'est la zone qui est juste à côté de toi. La zone qui est juste à côté. Juste à côté de. Oh, mais toi, t'as dit non. En français. C'est vague. C'est dans la désert, le désert hurlant, c'est la capitale de. Oh, je vais voir si je peux choper ça. Darkhold. Ouais, peut-être. Forteresse. Juste au-dessus de, ma zone là. Ouais. Juste au-dessus de Vorag. C'est ça. Ah oui. Avec ses octroie le contrôle d'une colonie Skaven. Et en plus, elle me plairait bien celle-là parce que. Non non. Ah bon. Non non pour moi. Bon, ouais, mais le bâtiment de stratégique, c'est pas pour les Skaven, c'est pour les vampires. Ah. Pour ça, que j'avais vu dessus. Mais Ouais, mais la zone. La zone, en fait, c'est tout le long du nord, quoi. Elle va. Bon, écoute, voilà, non, non, bah, ça, je m'en fous. Je sais pas ce que c'est, je suis plus par curiosité pour voir ce que ça apporte. Mais... Hop. Hop. Je trouve ça complètement pété. Oh la vache. C'est snitch, hein. Je récupère une ville en 5. De fuck avec la garnison complète. Oh la vache. Ah oui, non, c'est celle d'à côté, moi, qui m'intéresse. C'est pas Black Fortress. C'est Darkhold, à côté. La Bastion Sombre, d'accord. Bah, celui-là, je peux te le laisser, c'est mon bossu. Ouais, ces trois-là, je pourrais te les laisser. Ah bah c'est bien, aussi. Du coup, maintenant, en plus, c'est toi mon voisin, donc je peux péter mes garnisons en dessous. Absolument. Ça me va. Augmentons nos revenus. Tac. C'est complètement abusé. Mais bon, j'aime bien les trucs un peu abusés. De temps en temps. Hop. Toi, tu bouges pas. Toi, tu bouges pas. Toi, tu bouges. C'est déjà fait. Toi, t'as bougé. Toi, tu recrutes. Toi, tu as bougé. Attends, elle est où mon armée? Ah, elle est dedans mon armée. D'accord. De toute façon, soit il l'a prise. Soit il. Non, de toute façon, il l'a. Toi, t'as joué. Toi, on va essayer de faire en sorte que t'aies aucune chance de bouger. Tout en connerie bien fait. Ça c'est bon, ça c'est bon. Attends, toi je t'ai pas bougé. J'essaie de bloquer, tiens. Échec. Peut-être tout ça. Ok. Amélioration de bâtiment possible. Tellement du mal à générer de la bouffe. Quoi. Ok, ordre disponible. Tac. Ah oui, je voulais. J'ai presque plus de problèmes d'ordre public. Presque plus. J'aime bien le presque. Ce qui me permet de récolter des sous presque partout. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que t'as fait? Ok, non, rien de grave. Hop. Faut qu'on recharge ou c'est bon? Non, c'est bon, c'est bon. Hop. Et... Alors, 4. C'est pas encore ce tour-ci, je vais confédérer. Un tour.
Ouais, j'ai tellement de régions en fait que j'arrive C'est ça. pas à générer de bouffe en fait. Il faut que je fasse plus de bâtiments qui génèrent de la bouffe. Mais le problème, c'est que ces bâtiments-là bouffent de l'autorité. Ben oui, pas drôle sinon. Ah, et Chloricus qui t'attaque. C'est original. Ouais, bah je sais où il est fait. Voilà, défaite valeureuse, je vais pas la jouer. Je vais Ah bouffer oui, là. mais c'est oui, c'était son siège qu'il avait C'est posé, ça. d'accord. Ah oui, il l'a pas pris. Il est juste pillé. Bah, en même temps, c'est raisonnable. Parce que ça lui permet de s'enfuir quand tu vas C'est l'attaquer. ça. Cassos, cassos! Je suis pas sûr qu'il y arrivera, mais bon. Je crains qu'il ne soit quand même un peu proche de Snitch. Mais bon, moi, ça me retarde un peu plus. Alliance défensive, non, j'en veux pas. T'as eu. Oh, Colette. Ah non! Et un de plus. Ah oui, Mais puis lui, il est non. pas très très loin, lui. Ah, il y a Grimgor entre vous, Alors ou il est. les Warden, ou les Celestial Warden. Mais Il est déjà contre Grimgor. oui, mais de toute façon, il est contre Grimgor quasiment dès le début. Hein. C'est C'est un ennemi héréditaire. bah, un ennemi de proximité surtout. C'est qu'il démarre à une province d'écart l'un de l'autre, donc. Et un ennemi chiant, qui plus est. Parce que c'est super dur d'aller chercher Kolek, vu qu'il est dans les désolations du chaos et que tu prends de l'attrition de port. Ouais. Ah! Undercity discovered! C'est pas à moi. Ben non, je sais, c'est bah, Ericus, mais c'était chez les orques, donc. Eh ben, on va la faire péter. Et Krakadrak est assiégé. 4000 PO pour la faire péter! Constraint. Oh, eh c'est Ben. cher. Où est-ce que j'en suis d'ailleurs? Est-ce que je Défaite peux construire? valeureuse. Merde. Putain. Bon, là, il va y avoir un combat à faire aussi. Qui va pas être simple. C'est quoi contre du guerrier du chaos? Comme du Norsk. Ah, c'est du Norsk? N'y a pas d'unité pétée, mais il a du monde, j'ai du monde. Mais j'ai du monde de mauvaise qualité, il a du monde de meilleure qualité. Bon, on fera ça plus tard, pas maintenant. Possibilité. Non, j'ai encore deux tours ici. Bon, ben on va faire péter la ville Oh, souterraine du coup. oh non! Il est là! Putain! Regarde, Trott est actuellement dans Malphos. Oui. Regarde où est-ce que je vais arriver à le déplacer en souterrain. À côté de Krakadak. Bah, c'est bien. Bah, du coup, ça devrait rendre la Du coup, bataille un peu plus facile. ça devrait rendre la bataille un peu plus Ah, c'est simple. bon. Ah, Quick. d'ailleurs, il fait demi-tour. C'est étrange. Morse a pris la ville que je lui avais assignée. Je vais lui assigner la dernière, comme ça, C'est il aura vraiment pu. bizarre, il a fui. Je ne l'explique Hop, pas. comme ça, il y aura plus d'orques en bas. Et si jamais tu t'ennuies et que tu peux finir la dernière Oui. Zarnagrund, comme ça, on serait débarrassé de la lune crochue. Et moi, ça m'arrangerait. C'est pas jusqu'à dire qu'il me pèle le jonc, mais presque. Pas très très élégant. Ouais, je sais, mais en l'occurrence, j'assume là. Échec. Alors, t'es en guerre contre qui, toi? Eh ben, c'est très bien, ça. Bim, embuscade. Voilà, il n'a pas pu s'échapper très très loin. Voilà, comme prévu. Avec les followers de Nagash ou avec Sartosa? Allez, c'est Allez, avec Sartosa. on Si je te remonte. propose de rejoindre la guerre contre les Border Prince. Tu me payes un peu? Voilà.
Allez, je suis en guerre contre les Border. Ça c'est fait. Sans être en guerre contre l'Ordre Doré. Oui, c'est pas évident que... Pas encore, en guerre contre l'Ordre Doré. Alors, le père Colec, où est-ce qu'il peut me tomber dessus? C'est forcément par les montagnes des ogres. Hein. Il peut pas... Non, il peut pas traverser autrement. Donc, toi, je vais te faire passer par le nœud, par là. Ah, les principautés frontalières. C'est sérieux, il y a des pestes Skaven encore qui traînent dans le coin. C'est pas nounou. Ras-le-bol, sérieux. Si je te mettais un vrai seigneur, toi. Petite armée. Petite armée qui est en mode... Ah putain, je peux pas la... J'ai pas d'unités qui peuvent péter les portes, je suis obligé de poser le siège. Aïe. Toi, t'es en mode un peu de Moulder et beaucoup d'échines. C'est une drôle d'association. C'est bon, l'échine. C'est con. Oui, mais je suis fatigué. Alors, le problème, c'est que... Oh putain, et en plus, je suis obligé d'avancer en mode campement à cause de l'attrition des passes. Je peux pas voir ce qu'ils ont comme buff. Les chines de buff. Oh, 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 oh. Voilà, voilà, voilà. Bon. Ouh là, ça lag. Ouais, ça lag fort. Très, très fort. Alors, toi... Du coup, de oui, quoi toi, t'es chine. Très bien. Très très bien. Je sais pas pourquoi j'ai pris le brochier. Je sais parce que c'est balèze, mais j'aurais la porte. Ouais, mais j'ai pas claqué 10 000 PO pour Immortal Bastion. Je vais arriver en vraie galère de bouffe. Vraie galère de bouffe. Là, j'ai pas trop anticipé ça. Vraiment galéré là. Bon, de toute façon, je pense que je vais pas tarder à devoir m'arrêter. Ça marche. Alors, c'est qui ça? C'est mon secondaire tertiaire. Bon, on va arrêter l'épisode là et je vais gérer mes bâtiments histoire de générer plus de bouffe. Parce que là, c'est vraiment trop la misère. On vous fait des bisous. On vous dit à bientôt. Bisous. Les gens, et on espère que l'épisode vous aura plu, et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Bye bye.